Alors, dans cette première vidéo, je te propose de travailler sur la joie, d'amener chaque jour dans ton quotidien de plus en plus de joie et te focaliser sur ce qui va et non sur ce qui ne va pas. C'est vrai que souvent notre cerveau, il a tendance à aller voir tous les défauts, à aller voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est imparfait. Et du coup, ce qui en résulte, ben, ce sont les jugements, les critiques. Et le rejet. Donc l'idée c'est de revenir sur ce que j'avais déjà expliqué par rapport à la puissance des pensées. N'oubliez pas que nous créons nos pensées, nous sommes créateurs de nos pensées, et donc comme les pensées sont des énergies, sont des vibrations, nous attirons à nous ce que nous pensons. Donc plus on va se focaliser sur des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font plaisir, des choses que l'on aime et qui nous font sentir à notre place, plus on va vivre et attirer cette expérience à nous. Alors déjà, dans un premier temps, il s'agit dans cet exercice de prendre conscience de qu'est-ce que la joie pour moi. Chacun en fait a sa vérité. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, c'est juste une question de vision et un ressenti. Donc pose-toi cette question, tu peux prendre un carnet, t'amuser en faisant de la création. Par exemple, moi j'ai utilisé une image, voilà, où j'ai écrit « Enjoy today ». Enfin, j'ai collé « Enjoy today ». Et j'ai écrit comme ça, sans réfléchir, pour moi, qu'est-ce que la joie. Donc je vais vous lire ma vision partagée. Et bien sûr, ce que je veux dire par ici, c'est que j'ai pas l'intention de convaincre qui que ce soit. C'est juste ma vision et mon opinion. Après, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Donc chacun a sa vérité. Alors, la joie est la vibration la plus élevée qui puisse nous libérer de toute notre tristesse. Alors, je tourne le cahier parce que j'ai écrit en tournant autour de l'image. Toutes nos souffrances et nos mémoires. Attends, je relis. Donc, la joie est la vibration la plus élevée qui puisse nous libérer de toute notre tristesse, toutes nos souffrances et nos mémoires. Observe l'enfant qui joue, qui court, qui rit, qui vit dans l'instant présent. Il est tout simplement. Il aime. Il est à l'écoute de ses envies, de ses besoins. Tout comme lui, écoute à l'intérieur ce que te dit ton cœur. Rayonne de joie et de bonheur. Déploie tes ailes pour rayonner l'amour et la joie. N'oublie jamais de rire. Donc voilà, ça je l'avais écrit cet été. Ça m'était venu et c'est vrai que c'est quelque chose... qui m'a fait vraiment prendre conscience de qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie, qu'est-ce que je veux croire, quelle est l'histoire que je veux me raconter. Et je vous invite à faire cette expérience. Et dans une deuxième vidéo, je vous montrerai comment l'intégrer et la mettre en place chaque jour, comment on peut choisir nos pensées et comment on peut envoyer à notre cerveau, à notre psyché, des vibrations plus hautes, donc des vibrations de joie, d'amour et de paix. À bientôt.